Bonjour, docteur Mawe. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Vous êtes neurologue au centre d'urgence céphalée de l'hôpital Lariboisière à Paris. 10 000 passages par an dans votre service, c'est énorme. Pour commencer, je vous propose de réagir sur un certain nombre d'idées reçues sur la migraine. Et vous allez nous dire, pour chacune d'elles, si elles sont vraies ou fausses, en quelques secondes. Et puis nous aurons tout le loisir ensuite d'approfondir la question tout au long de ce sommet. Est-ce que vous êtes prêts C'est parti. À jouer le jeu, c'est parti. La migraine, c'est une maladie de femme. Alors c'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'elles ont joué avec des poupées ou parce qu'elles ont porté du rose. C'est pour des raisons hormonales. Et c'est vrai que c'est plus souvent les femmes que les hommes, même si les hommes peuvent être aussi atteints. La migraine, c'est juste un prétexte pour ne rien faire Ah ben Non, c'est vrai que ben, moi je suis migraineux, je le sais. Parfois, on a une crise de migraine, on aimerait sortir, on aimerait aller travailler, on aimerait voir ses amis, mais on est bloqué au lit, euh, pas par volonté, mais par obligation. La migraine, c'est le stress La migraine, c est, c est pas Le stress n'est pas la cause de la migraine, mais le stress peut affecter un petit peu la migraine et notamment favoriser les crises ou la relâche après un stress intense. Mais ce n'est certainement pas la cause, il peut la déstabiliser. On entend aussi, c'est le coût alors, non, on va le voir aussi, mais c'est vrai que dans la migraine, on peut avoir une douleur qui descend jusque dans le cou, mais ce n'est pas pour autant la cause n'est pas dans le cou, bien au contraire. Donc, le, le cou n'a pas la capacité de générer des nausées, une gêne à la lumière, une gêne au bruit, comme on le verra. Le foie non plus, alors Le foie non plus, mais on peut avoir des symptômes digestifs dus à l'activation euh, au niveau cérébral des centres des nausées. Peut-être les sinus C'est la même chose. Les patients peuvent rapporter des douleurs qui vont jusque dans les sinus et qui sont trop souvent attribuées à une sinusite. On entend aussi la migraine, c'est à cause de notre alimentation. Alors, c'est très rare que certains aliments puissent déclencher. Par exemple, le vin blanc peut être un facteur déclenchant. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que parfois, c'est le début de la migraine, avant même d'avoir mal à la tête. On a une envie de certains aliments, comme des, une envie de chocolat. Et on attribue au chocolat la crise de migraine, alors que, qu'on le mange ou qu'on ne le mange pas, la crise serait venue de toute façon. Certains disent aussi ça peut venir des dents, d'un mal de dents. C'est le même principe que tout à l'heure, la douleur elle se diffuse jusque dans les dents mais elle est générée au niveau cérébral. Merci déjà d'avoir battu en brèche ces idées reçues docteur, on va maintenant se concentrer sur la vérité. Au fond, c'est quoi une migraine et qu'est-ce qui la différencie des autres maux de tête Alors, j'ai pris quelques diapos et donc là, c'est vrai que la migraine, c'est un type de mal de tête parmi 200 autres. Et donc, on peut avoir mal à la tête parce qu'on a une sinusite, parce qu'on a une gueule de bois, parce qu'on a une rupture d'anévrisme. Il y a plein de causes. Et la migraine en est une parmi plein d'autres. Et c'est vrai qu'en français en particulier, le terme migraine est utilisé à tort et à travers pour tout type de mal de tête. Alors qu'en réalité, il s'agit d'une vraie maladie pour laquelle il y a des critères bien précis. Il y a des critères. Il faut avoir eu au moins cinq crises de céphalée qui durent entre 4 et 72 heures, qui s'associent à des signes digestifs, des nausées ou des vomissements, ou bien à une gêne au bruit, une gêne à la lumière qui vous bloque dans votre lit. Et puis qu'il y a d'autres caractéristiques encore, parmi la moitié du crâne, mais c'est pas systématique, euh, intense, modéré, modéré, modéré ou intense, majorée par l'effort et pulsatile. Et donc il y a des critères bien précis pour poser ce diagnostic. La migraine, c'est donc euh, une maladie, hein, pas un symptôme. On le répète. Que sait-on aujourd'hui des crises de migraine et euh, quelles sont les différentes étapes Il y en a trois ou quatre. Hein. C'est vrai. Donc euh, il y a les maux de tête et j'ai même caractérisé ces plus parce qu'on verra, il y a d'autres trucs que les maux de tête. Mais au-delà de ça, eh bien, euh, parfois, avant le mal de tête, on peut avoir des symptômes visuels, ce qu'on appelle l'aura, qui annonce l'apparition du mal de tête. On peut avoir même des prodromes, des symptômes qui sont présents alors qu'on n'a même pas encore mal à tête, on a déjà des symptômes. Et puis, on n'a plus mal à tête, mais on n'est toujours pas remis, on n'est toujours pas apte à avoir une vie totalement normale. On peut avoir ce qu'on appelle des postdromes. Donc trois ou quatre phases selon les cas, les, les patients. Euh, Parlez-nous d'abord des prodromes. Quels sont les symptômes avant-coureurs d'une crise c'est vrai, c'est des symptômes que les patients ressentent euh, et ils se disent alors ah c'est parti je suis sûr que je vais avoir une migraine alors qu'ils n'ont pas encore mal à la tête. C'est euh, une fatigue très intense, des difficultés de concentration, des épisodes de bâillement, euh, une irritabilité, puis on le disait tout à l'heure une envie de certains aliments, du chocolat, voire des repas gras, euh, parfois des symptômes digestifs qui annoncent l'apparition d'une migraine. Et pour près de, de 30% des, des migraineux, eh bien, ces symptômes sont suivis d'une aura. Euh, que ressent-on, que voit-on à ce moment-là Alors l'aura qui est la plus habituelle, c'est l'aura visuelle. C'est une activation du cortex, donc de la partie, de la surface du cerveau au niveau visuel, et on peut voir ce que vous voyez ici. Donc euh, une image qui s'installe progressivement avec des souvent un zigzag brillant, lumineux, qui s'installe et qui va progressivement réduire le champ visuel au point que certains patients sont obligés de s'arrêter sur le bord de la route s'ils sont en train de conduire. Et puis euh, voilà d'autres représentations avec euh, certains Certains ont une vision tubulaire, d'autres rapportent de voir euh, la route comme en plein été. Et donc, c'est extrêmement invalidant. À ce moment-là, le patient n'a pas mal à la tête et ça s'installe progressivement. Alors, euh, il faut savoir que quand c'est répété, quand c'est venu plusieurs fois, euh, ben, on peut retenir le diagnostic de migraine s'il y a des critères bien précis, s'il y a l'installation progressive, les phénomènes euh, brillants, etc. Euh, mais la première fois, il faut se poser des questions. Il peut y avoir également des troubles sensitifs il peut y avoir même des difficultés de la parole. si c'est la première fois que ça arrive, bien, bien sûr, il faut consulter. si c'est apparu brutalement plus encore, parce qu'il faut faire le diagnostic et éliminer que ce soit un problème vasculaire, c'est répété, il faut en parler avec son médecin. bien sûr, euh, c'est une migraine avec aura. il y a ensuite, donc, la céphalée plus, avec euh, des voilà. effets et des douleurs euh, différents hein, selon les malades. Donc oui, donc, je l'ai appelé plus parce que ce n'est pas que mal à la tête. On a mal à la tête, mais en plus, euh, on est bloqué dans son lit. Hein. Et donc, euh, bon, c'est une douleur qui est souvent hémicrânienne, comme le dit le nom euh, avec son origine grecque, mais elle peut tout à fait être dans, toute la, euh, dans tout le crâne. Euh, elle est majorée à l'effort physique. Les gens vous disent, mais même monter l'escalier, c'est un effort. Même prendre une douche, c'est un effort. Il peut y avoir, on en a parlé tout à l'heure, des douleurs dans les cervicales, des douleurs qui vont jusque dans la face, et ce n'est pour autant pas la cause. Et puis, euh, bah souvent, les gens sont bloqués au lit avec une gêne au bruit, une gêne à la lumière, une gêne aux odeurs, même un parfum qu'on trouve habituellement agréable, on ne le supporte mmh. plus. Et puis, souvent, des nausées, des vomissements, on est euh, au lit avec un seau au bord du lit. Hein, voilà. Donc, euh, extrêmement invalidant. Dernière phase, la, la sortie de crise, euh, que l'on appelle les post-dromes, où, où l'on retrouve souvent les mêmes symptômes que, que les signes avant-coureurs, hein, finalement. Oui, c'est ça. En fait, on n'a plus mal à la tête, mais on n'est pour autant pas opérationnel, pas à 100% de ses capacités en tout cas. On est fatigué, on est irritable, on a des difficultés pour se concentrer et bah, on ne peut pas passer sa meilleure journée au niveau professionnel, familial, social. Donc on imagine bien que le caractère répété est usant. Hein. Mmh, plusieurs étapes donc, plusieurs formes de migraines aussi, épisodiques euh, ou euh, chroniques. Qu'est-ce qui les différencie et comment passe-t-on de, de l'une vers l'autre mais c'est ce que j'ai mis sur ce, ce, vous voyez la ligne du temps, alors avec une forme épisodique, et chaque petit trait représente une crise qu'on vient de décrire, et vous voyez en dessous la forme chronique, où il y a beaucoup plus de traits. En fait, la forme chronique, c'est des patients qui ont plus de jours avec maux de tête que de jours sans. Vous imaginez à quel point c'est handicapant, et la forme épisodique, eh bien, elle est extrêmement variable, c'est de quelques crises par an à quelques crises par mois, mais moins d'un jour sur deux finalement. Et euh, vous me demandiez, bah, comment on passe de l'un à l'autre euh, déjà, qu'est-ce qui peut déclencher une crise ben, C'est tout, tout changement d'état. En général, le, le cerveau d'un migraineux n'aime pas les changements, les modifications. Il est moins tolérant au changement Et donc, plus de stress, moins de stress, plus de soleil, moins de soleil, plus de sommeil, moins de sommeil, le jeûne, la déshydratation, tout ça peut favoriser une crise. Mais on sait aussi que parfois, on ne retrouve pas ce changement de manière évidente. Euh, et c'est important de le savoir. Et puis euh, on a parlé d'épisodique, on a parlé de chronique, on n'est pas épisodique, on n'est pas chronique, ça évolue au fil du temps, et il y a des choses qui peuvent favoriser l'évolution d'épisodique vers chronique euh, et vous voyez, il y a certains facteurs de risque et notamment la dépression, l'anxiété, le surpoids, l'excès de café, la prise trop régulière d'antidouleurs, peut favoriser l'évolution ferme forme chronique qui est qui est extrêmement invalidante. Vous imaginez le retentissement sur la vie professionnelle, sociale de quelqu'un qui a moins d'un jour sur deux ou il est bien finalement. Mais heureusement, il y a des possibilités de repasser en forme épisodique. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier aussi. C'est que, bah, avec des traitements, avec euh, la collaboration du patient et notamment l'activité physique, l'arrêt des médicaments qui peuvent chroniciser euh, la migraine, on peut améliorer les patients et euh, repasser en forme épisodique. Mmh. Qui est concerné aujourd'hui par, par la migraine La migraine, c'est extrêmement fréquent. C'est 12 à 15 de la population. Alors avec... 12 à 15 c'est énorme. C'est énorme, mais c'est avec des, des voilà, il y a des patients qui ont quelques crises sur l'année, et c'est vrai, il y en a qui en ont quasiment tous les jours. Mais heureusement, c'est extrêmement variable. Euh, c'est plus de femmes que d'hommes. Ça peut toucher les enfants. Et c'est important de le savoir. Euh, et c'est extrêmement invalidant. C'est quand même la deuxième cause de handicap quand on tient compte du nombre de jours avec l'affection. Hein, J'en je, conviens, il y a d'autres maladies qui sont extrêmement invalidantes, mais là, la migraine, ça peut durer très longtemps, ça peut commencer très tôt, et ça peut euh, perturber la vie quotidienne de, pendant très longtemps. Alors, euh, j'ai juste voulu partager avec vous ici quelques données d'une un, enquête européenne où vous voyez que... Euh, sur les trois derniers mois, il y avait entre 10 et 16 des patients qui disaient qu'ils avaient perdu euh, des jours de vie sociale ou professionnelle, qu'ils avaient perdu plus de 20 jours. Donc, on imagine, donc c'est finalement plus d'une semaine par mois affectée par la migraine chez 10 à 15 des gens. Donc, vous imaginez à quel point c'est handicapant. Et on parlait de stigmates, etc. Euh, ben vous voyez ici, je, je mets juste en avant euh, ces données-ci. Donc. Euh, est-ce que vous évitez de dire aux personnes autour de vous que vous avez la migraine Il y a quand même un patient sur trois qui évite de le dire parce que c'est stigmatisant, parce qu'ils euh, ont peur d'être incompris. C'est la même chose au travail. Hein. Il y en a 36% qui ne parlent pas de leur migraine au travail. Et pire encore, il y en a 10% qui n'osent pas en parler aisément avec leurs conjoints. Et c'est tout l'intérêt de cette réunion euh, pour que aussi les accompagnants, les aidants, les conjoints, les conjointes, euh, ben, connaissent mieux cette maladie, la comprennent mieux et les collègues de travail aussi bien sûr effectivement vous le disiez un hein, deuxième cause de handicap dans le monde un handicap sur de très longues années et vous vouliez partager avec nous euh, deux exemples très concrets voilà et c'est des vrais exemples hein, que j'ai vu euh, dans le cadre de mon activité aux urgences donc un patient dont vous voyez le scanner ici 37 ans il vient aux urgences alors aux urgences générales de notre hôpital l'infirmière m'appelle en me disant écoute je pense qu'il a des migraines et euh, il a un petit peu stone je pense qu'il a pris un peu trop d'antidouleur un peu trop de tranquillisant donc par téléphone, j'accepte de voir le patient et clairement, il parle très mal le français, mais il m'explique clairement qu'il a mal à la tête alors qu'il n'a jamais eu mal à la tête de sa vie. Donc par définition, je peux déjà avec certitude être sûr qu'il n'a pas une migraine. On a parlé des critères tout à l'heure, c'est le caractère répété des épisodes de maux de tête qui permet d'évoquer le diagnostic ici, c'est la première fois qu'il a mal à la tête de sa vie. Il n'a donc pas une migraine, donc je lui ai fait faire un scanner et même une IRM, et vous voyez encore mieux sur l'IRM, ce que vous voyez en beaucoup plus blanc, c'est une énorme tumeur, alors une tumeur bénigne, mais qui fait la taille plus gros qu'une orange. Euh, on imagine bien que ce patient il est extrêmement invalidé par cette euh, tumeur qui a euh, changé aussi son état d'éveil, qui a changé un peu son comportement, et ça lui fait très mal. Euh, mais on le verra tout à l'heure, en termes d'impact sur la vie de tous les jours, euh, c'est peut-être pas. C'est aussi horrible qu'on puisse l'imaginer. Et là, c'est un autre cas. C'est une patiente qui vient aux urgences. Elle a depuis plus de dix ans des épisodes de maux de tête qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent, qui sont toujours les mêmes. Elle est bloquée au lit avec des nausées, des vomissements pendant deux ou trois jours. Elle a vu différents spécialistes, différents médecins. Elle a vu dentiste, ORL, etc. On lui a parlé de migraine, mais elle n'a pas l'impression qu'il s'agit d'un diagnostic. Et elle vient aux urgences pour comprendre ce qu'elle a. Elle a déjà eu deux IRM qui sont normales, et en fait, on ne lui a jamais pris le temps de lui expliquer qu'elle avait bien une migraine et que la migraine, c'était une vraie maladie qui est extrêmement invalidante, même si elle ne se voit pas au scanner, si elle ne se voit pas à l'IRM, euh, elle en souffre vraiment. Et euh, quand on compare l'impact de ces deux euh, patients, le premier patient, vous voyez que sur la ligne du temps, il a énormément de traits qui traduisent des épisodes douloureux, et c'est vrai que c'est très impactant. Il va avoir une chirurgie, et c'est pas rien, une chirurgie cérébrale, mais après, ce patient, il est guéri. Il a plus du tout mal à la tête, alors que la patiente dont on a parlé, eh bien, elle est euh, probablement, elle va avoir des crises répétées au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Donc, on imagine bien un impact probablement plus euh, notable chez elle que chez cet autre patient qui pourtant a une tumeur. Alors heureusement, il y a des traitements, il y a des prises en charge qui permettent d'espacer les crises chez cette patiente et de faire qu'elle a des crises beaucoup moins souvent. Et puis, ben, on l'espère, hein, on, euh, on travaille dessus, en recherche, d'essayer de les espacer au point qu'il n'y en ait plus du tout. Oui, des traitements qui ont un effet hein, sur sur le seuil de déclenchement. Oui, alors là j'ai pris un petit dessin pour essayer d'expliquer de manière plus simple euh, le principe d'être migraineux, le principe du traitement. Donc finalement, on peut imaginer que euh, tout le monde pourrait, si on stimule suffisamment le cerveau, un jour déclencher une crise et qu'être migraineux c'est le caractère répété. Et donc, euh, bah, on peut imaginer que chez un non migraineux, par contre, si on accumule forte émotion, grasse matinée, décalage horaire, vin blanc, ça ne va pas atteindre le seuil, le seuil à partir duquel le cerveau euh, en a trop et euh, déclenche une crise. Par contre, chez un migraineux, ce seuil est plus bas. Donc, il faut moins de choses pour déclencher une crise. Vous, vous ajoutez trois facteurs ensemble et vous avez une crise. Eh bien, le principe d'un traitement de fond, c'est de remonter ce seuil. C'est euh, de faire que, bah, avec les mêmes facteurs, la crise ne va pas survenir. Et puis, à d'autres circonstances, par exemple, un patient qui n'est pas traité, qui n'a pas de suivi, qui n'a pas de traitement de fond et qui aurait une grave dépression, eh bien, le seuil est encore plus bas et on imagine qu'il ne faut vraiment pas grand-chose. Je dis parfois aux patients, une mouche passe et vous avez une crise. Ils me disent, c'est exactement ça, docteur. Euh, dans certains cas, le seuil est vraiment au ras des pâquerettes et c'est là où on a besoin de traitement pour remonter ce seuil. Mmh. Et il faut bien faire la distinction entre traitement de crise et traitement de fond. Exactement. Donc il y a ces deux types de traitements. Il y a le traitement de crise, qui est un traitement qu'on prend lorsqu'on a une crise pour essayer de bloquer cette crise et de vivre une vie le plus normale possible dès après le début des symptômes. Et on a le traitement de fond, qui est un traitement qu'on prend tous les jours ou tous les mois, selon les types, en tout cas, pour essayer d'espacer les crises, faire qu'elles viennent moins souvent chez les personnes qui sont particulièrement impactées par la migraine. Alors le traitement de crise, c'est pour tous les patients c'est euh, avant tout les anti-inflammatoires ou encore les triptans. Les triptans, c'est des traitements spécifiquement développés pour la migraine. Hein, si un patient prend un triptan pour une douleur de genou, ça ne va pas l'aider. C'est vraiment des traitements qui, sont, qui agissent au niveau cérébral. Euh, alors, euh, tous les migraineux ont entendu, mais t'as qu'à prendre un petit paracétamol, ça va suffire. Ouais. En général, sur une grosse crise de migraine, ce n'est pas, pas suffisamment ouais. efficace. Euh, le secret, c'est de prendre le traitement très tôt. Euh, je dis parfois aux patients que la migraine, c'est comme le feu. Il vaut mieux jeter un seau d'eau tout de suite, tout de suite. Que d'attendre et de jeter un demi-verre d'eau, parce que ça, on ne va pas réussir à le contrôler. Avec une petite limite, c'est que prendre trop d'antidouleurs peut aggraver la migraine. Et donc, il faut faire très attention, plus encore avec les dérivés de la morphine et de la codéine. Et, et c'est là aussi où il faut avoir une aide médicale. Si on a des crises ouais. très fréquentes, il faut avoir un soutien médical pour avoir un traitement de fond, pour être amené à prendre moins de médicaments de crise, pour justement pouvoir les réduire. Et le traitement de fond, bah c'est un traitement qu'on prend régulièrement. Pour essayer que les crises viennent moins souvent, moins intenses, euh, qu'elles durent moins longtemps, qu'elles répondent mieux au traitement. Euh, la plupart, ils sont détournés de leur indication principale. C'est des traitements qui euh, sont des antihypertenseurs, des antidépresseurs, des antiépileptiques, qu'on donne à des gens qui ne sont ni épileptiques, ni hypertendus, ni déprimés. Euh, mais, mais on a démontré que ces médicaments, ils marchaient aussi dans la migraine. Pas toujours satisfaisant, ça a parfois des effets secondaires. Heureusement, il y a des, des autres options, euh, et notamment pour les patients qui ne répondent pas à ces traitements ou qui euh, ont des effets secondaires notables. Euh, très récemment, on a eu euh, en France, et ça existe déjà dans les autres pays depuis très longtemps, la toxine botulinique de type A qui a eu l'AMM dans la migraine chronique, donc uniquement dans la forme où les gens ont plus de jours avec maux de tête que de, que, que de jours sans. Et puis, euh, on a, et ça c'est très nouveau aussi, euh, les nouvelles molécules qui ciblent le CGRP, euh, une molécule qui est impliquée dans euh, la, la véhiculer la douleur dans la migraine et qui sont les premiers traitements de fond spécifiques de la migraine. Et on en reparlera tout à l'heure, notamment avec le, le professeur Rivelin. Si vous avez euh, des questions à poser au docteur Maoué, n'hésitez pas. Surtout si vous êtes euh, sur Zoom, euh, sur le chat, on va répondre dans un instant à vos questions. D'abord des questions très pratiques, dans quelles circonstances doit-on consulter en urgence alors, consulter déjà, pas en urgence, bah, c'est toujours. Si on est affecté par ces maux de tête, il faut en parler euh, avec son médecin généraliste. Et puis, parfois, c'est parfois une urgence. Si euh, on a un mal à tête de manière importante pour la première fois, ce n'est pas une migraine, il ne faut pas attendre, il faut consulter. Euh, si on a euh, une, un mal de tête qui est totalement différent, hein, un migraineux vous dit parfois ah bah là, c'est la première fois, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir un mal de tête d'installation extrêmement brutale, j'ai eu l'impression que ça a explosé dans ma tête. Là, c'est un motif de consultation. Et puis, si jamais on a une crise de migraine dont on n'arrive pas à contrôler, bah il faut aussi à ce moment-là se rendre dans un service d'urgence pour se faire aider, pour la contrôler. Parfois, recourir à des traitements intraveineux. Hein. Euh, encore une fois, c'est pas un simple mal de tête qui va pas. Parfois, il est extrêmement résistant aux traitements classiques. À qui doit-on s'adresser d'abord C'est votre médecin traitant qui est médecin vraiment est euh, la clé. Va... Et puis, euh, parfois, si lui ne s'en sort pas, si on est face à une migraine particulièrement sévère, euh, nous, les neurologues, on est là pour ça. Euh, Qu'avez-vous envie de dire aux, aux migraineux qui nous regardent Qu'est-ce qui peut faciliter votre travail, le bon diagnostic et le bon traitement bah. La première chose que je veux leur dire, c'est qu'il y a euh, de la recherche, qu'il y a des nouveaux traitements, et donc il faut venir nous voir. Et puis, bah, il faut que vous participiez à votre prise en charge. Moi, je suis ravi quand j'ai un migraineux qui vient avec un agenda bien rempli de ses migraines, euh, des traitements qu'il a déjà pris, qui euh, s'intéresse à tout ça, qui, quand je lui évoque des traitements non médicamenteux comme une activité sportive ou autre, participe. C'est sûr qu'on augmente nos chances de, 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 de gagner contre cette maladie. Ouais. Plus vous avez d'informations plus vous avez de chance de trouver le bon traitement. Exactement. C'est un travail d'équipe avec le médecin généraliste, le patient et son neurologue s'il y a besoin. Alors on va maintenant prendre des questions euh, des adhérents. Allez je vous livre la première. Que dire des migraineux hémiplégiques Alors là c'est une forme extrêmement rare donc je n'avais pas beaucoup de temps d'en parler mais c'est des patients qui ont des auras euh, extrêmement sévères. Au cours desquels ils n'ont pas, non seulement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, les troubles visuels, parfois des troubles de la sensibilité, parfois des troubles de la parole, mais ils ont même une paralysie qui peut durer quelques heures, voire quelques jours, voire davantage. Hein euh, c'est extrêmement rare et en général, c'est une, une forme génétique de la migraine. Ah, c'est Émilie qui nous posait la question. Aude nous demandant Qu'adora, euh, durant une crise, peut-on avoir des séquelles à long terme alors non, l'aura euh, en général, l'aura pour retenir le diagnostic d'aura typique, ça doit durer moins de 60 minutes euh, pour chaque symptôme. Donc on l'a vu, on a souvent des symptômes visuels, parfois sensitifs, parfois la parole, maximum 60 minutes pour chaque symptôme, puis le mal de tête vient, et puis après, bah, on retrouve une vie normale. Autre question de Marie, combien de temps au maximum peut durer une crise sans traitement alors, la, 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 la définition internationale de la crise, c'est 72 heures. On imagine bien, on en a parlé, hein, de l'horreur que c'est pendant 72 ouais. heures. Et puis après, il existe ce qu'on appelle l'état de mal migraineux. Et bien ça, c'est encore plus que 72 heures. Et ça arrive. Alors après, il faut, euh, avant de poser ce diagnostic, s'assurer qu'il n'y a pas autre chose. Mais en effet, il y a des patients qui même dépassent les 72 heures. Et notamment, les crises pour les femmes autour euh, des règles sont fréquemment plus longue et plus euh, résistante au traitement. Yves nous demande, est-ce utile de tenter le régime sans gluten alors, euh, moi je suis tout à fait ouvert aux traitements non médicamenteux, aux approches parallèles. Et on a euh, récemment, avec la Société française d'études des migraines et céphalées, redéfini celles qui ont des preuves et celles qui n'en ont pas. Pour le moment, il n'y a pas de preuves scientifiques d'un intérêt, d'un régime particulier. Le seul qui pourrait peut-être avoir un intérêt, ça reste à démontrer, c'est le régime cétogène, mais c'est un régime qui doit être encadré médicalement. Oui, ça nous amène à la question d'Amina. Existe-t-il des traitements naturels et efficaces il y a des traitements euh, donc des plantes, ça peut être efficace dans, dans certains Alors, cas. Euh, les des plantes, tisanes, des choses comme ça. Les plantes, il y a eu quelques données. Finalement, quand on analyse en détail, c'est ce qu'on a fait. Euh, il n'y a pas suffisamment de données que pour les recommander, parce qu'il y a certaines études positives, d'autres négatives, et finalement tout mis ensemble, peu d'arguments pour les recommander. Il y a même euh, un type de plante qui peut avoir, selon la composition euh, des gélules, une toxicité hépatique. Donc, euh, on ne les recommande pas. Euh, Isadora euh, s'interroge, est-ce possible de casser la chronicité Oui, c'est pour ça que j'ai choisi cette, euh, ce, cette surspécialité en neurologie, c'est parce qu'on peut aider les gens. Hein. Il y a des traitements et de plus en plus, et il y en a encore d'autres à venir, euh, et avec un patient qui participe euh, et qui coopère, euh, ben, on, on y arrive très souvent, euh, malheureusement, pas encore autant qu'on voudrait, mais on continue de faire tout ce qu'on peut pour. Euh, allez, une dernière question euh, de, de Lorraine. Euh, euh, comment savoir quand le traitement de crise Alors, j'y ai un petit peu répondu tout à l'heure. C'est dès le début de la crise, idéalement, pour la couper aussi vite et arriver à la contrôler quand elle n'est pas encore trop intense. C'est très théorique, en tout cas chez les personnes qui ont des crises très fréquentes et notamment qui ont un mélange de maux de tête plus légers et plus sévères. C'est parfois compliqué, puisqu'on sait que si on prend très précocément et trop souvent, les traitements de crise à ce moment-là, on peut aggraver la maladie migraineuse par l'excès de prise d'antidouleur. donc, dans ces cas-là, il faut vraiment avoir l'aide d'un médecin, un agenda électronique bien rempli pour essayer de tra traquer les crises et les meilleurs moyens de les contrôler. merci. merci, docteur maoué, pour ces précisions très claires. nous allons maintenant nous intéresser aux mécanisme de la migraine et nous allons être en duplex avec le professeur shonen. merci à vous.